l'avez vécu, vous avez envie de revivre ces moments d'exception, de Paris à Moscou, de Nancy en Croatie. La joie fut intergénérationnelle et communicative. Un dimanche sur la planète bleue, c'est signé Pascal Largeron, Marc Guéring, Guillaume Petit et nos envoyés spéciaux à Moscou. Il s'appelle Gabriel, Dominique ou Virginie. Ils ont 13, 30 ou 55 ans. Et ils vont tous retenir une date qui va traverser les âges. Un 15 juillet 2018, sur le toit du monde. De Paris à Moscou. C'est trop beau ! En passant par l'Alsace et la Croatie. Hey, qui ne s'aime pas les pas français ! Ils ont à la fois espéré, tremblé, puis exulté au coup de sifflet final. Pour comprendre un tel engouement, il faut revenir hier matin dans cette colonie de vacances d'Aubernais, tout près de Strasbourg. Gabriel est l'un des 23 pensionnaires de ce centre 100% foot. À 13 ans, il s'apprête à disputer sa première Coupe du Monde à lui, un tournoi sur 4 jours, qui débute, hasard du calendrier, le jour de la finale des Bleus. Oui. Début à la fin de la journée, ça va être le feu. L'esprit d'équipe, la ferveur, la détermination, comme leurs aînés, ils l'ont aussi. Mais à 6 heures du coup d'envoi, la finale France-Croatie est dans toutes les têtes. Et tous croient à la victoire. Mbappé, si tu nous écoutes, mets ce but qui nous donnera la Coupe du Monde. Au même moment, à Dubrovnik, une station balnéaire croate très prisée des Français pendant l'été. Pour ce groupe d'amis, les vacances étaient déjà programmées depuis des mois. À la base, on a réservé juste pour se balader. Et puis, au final, il y a la finale, ça tombe bien. Drapeau français dans les mains, presque impossible pour elle de passer inaperçue dans les rues. Face à des supporters croates déterminés. Oui, je suis sûr. Ça fait 20 ans que l'on attend de vous botter les fesses. Autre bar et autre certitude. On est quoi? On est à 2h du match, on voit déjà que l'ambiance est très très haute. Les pauvres sont plein gagnants. À Paris, tout juste 15h et le patron de cette terrasse végétale qui surplombe la capitale est déjà dans les starting blocks. C'est une ambiance incroyable qui a monté au fur et à mesure des matchs. Et là on arrive à la finale, c'est la folie. À la fois sur les réseaux sociaux, sur le lieu, c'était... une demande incroyable pour venir dans le lieu, donc ça va être assez dingue, je pense, aujourd'hui. Tellement dingue que le bar d'une capacité de 1000 personnes a été obligé d'en refuser près de 4000. Et pour l'occasion, Frédéric a dû revoir son stock de boissons. Pour vous donner une idée, là, on a à peu près une centaine de fûts qui sont positionnés derrière les bars pour être sûr de ne pas manquer, ce qui est quand même assez énorme en quantité. Et puis on a énormément de soft, de boissons fraîches qui sont dans tous les frigidaires. Ce groupe d'amis, lui, a choisi de venir s'installer très tôt. Bah, on est arrivé à l'ouverture à 10h30 et on voulait avoir des bonnes places pour voir l'écran et puis pour pouvoir en profiter toute la journée là. Mais d'autres ont même de meilleures places. À Moscou, au cœur de la Casa Bleue, le QG des supporters français, ils sont au plus près des hommes de Didier Deschamps. Et au milieu d'eux, Dominique a quelque peu de mal à évacuer la pression. La pression, la tension qui monte, une espèce de petite boule dans le bas-ventre et j'ai hâte de la libérer au coup d'envoi. Cette finale, ce chauffeur de bus de 55 ans, originaire de Dunkerque, ne l'aurait manqué pour rien au monde. Même si au total, il a dû débourser près de 1500 euros. Ça c'est le billet pour la finale de la Coupe du Monde. C'est un truc de dingue. Je pense qu'il y a des milliers, des millions de personnes qui nous ont vus aujourd'hui. Juste pour ce petit bout de carton. Et cet événement exceptionnel qu'on va vivre. Ça va être la folie, l'apothéose. Mais avant l'apothéose, la métamorphose. À Aubernais, la colo se part de couleurs tricolores.
Cette génération n'a pas connu 1998, mais elle est prête à vivre les mêmes émotions. Les dernières Coupes du Monde, c'était bien, mais c'était pas glorieux. Les Euros, on les a pas bien gagnés, donc là, ce serait peut-être la première fois. Du coup, ce serait trop bien. À Dubrovnik, le groupe de Virginie hisse clairement les couleurs au milieu des Croates, avec cette petite touche d'élégance à la française. Tant mieux. Il est 17h et partout désormais, les mêmes cris et un même chant repris à l'unisson. Mais la tâche s'avère plus complexe que prévu. Dès les premières minutes, les Croates bousculent les Bleus et font frémir les supporters. Jusqu'à la 18e minute et ce coup franc libérateur d'Antoine Griezmann. Un bonheur de courte durée. 10 minutes plus tard, Perisic égalise et le doute se réinstalle. Et juste avant la mi-temps, le pénalty de Griezmann rend enfin l'air un peu plus respirable. C'est chaud, ouais, c'est chaud. On gagne. On gagne. À la reprise, les Bleus continuent à mettre à mal les nerfs de leurs supporters. Jusqu'au but salvateur de Pogba et Mbappé. Les dernières minutes seront interminables jusqu'au coup de sifflet final. Une délivrance et en un quart de seconde, une onde de joie immense qui se propage de Moscou à Paris. Je savais, je pensais pas que ça allait être aussi difficile. C'était écrit. C'est trop beau. On oublie tous les soucis, on oublie tout. Les problèmes d'argent, les problèmes de famille. Bravo! Allez, Bleus! 20 ans après la victoire historique de ses aînés, une nouvelle génération inscrit une deuxième étoile dans le ciel de France. Ils s'appellent Griezmann, Pogba ou Mbappé. Un 15 juillet 2018, ils sont devenus les nouveaux héros d'un peuple entier qu'ils ont mené au sommet.